Hola et bienvenue à Barcelone. Alors à la base je devais faire ce voyage toute seule mais j'ai rencontré Omar dans l'avion. C'est moi. Il a commencé à me parler anglais, il parle un petit peu français. Un petit peu. Donc ça va, on se comprend bien et on passe cette première journée ensemble. Alors là je suis à Zara. Et clairement j'aurais jamais pensé, on m'a donné un très très bon conseil d'aller au rayon enfant. À la base je cherchais juste un haut blanc basique et je trouvais pas en fait dans le rayon femme. Je suis allée voir dans le rayon enfant et je suis tombée sur ce pull mais genre trop adorable. Bon là c'est petit hein, mais je l'ai trouvé sinon en 9 ans, 10 ans, 11, 12 et tout. Et genre mais vous voyez des enfants de 10 ans là-dedans? Non parce que moi je rentre dans du 9 ans déjà, du 8-9 ans. C'est trop bien. Et regarde ce qui est écrit, c'est adorable. Si ce truc il est pas fait pour moi, je ne comprends pas. Tout ça, c'est bien beau, mais je ne suis pas ici en vacances. J'ai été engagée pour réaliser tournage et montage de 8 vidéos pendant une période de 2 semaines au Casino de Barcelone pour l'European Poker Tour. Alors l'European Poker Tour, qu'est-ce que c'est? C'est un marathon de tournois de poker et c'est avec le youtubeur YoViral que ce travail a pu voir le jour, que vous retrouverez bien évidemment sur sa chaîne YouTube si vous êtes curieux du résultat. Alors autant vous dire qu'à part la première journée, j'ai passé le plus clair de mon temps au casino à filmer des tables de poker, des croupiers et également des célébrités. Et oui, ce métier a quand même son avantage, mais ce fut l'un des boulots les plus intenses de ma vie car je travaillais en tombée de fatigue. Il faut dire qu'après la journée de tournage, venait la soirée de montage, voire même la nuit entière, je me couchais à 5-6 heures du matin et les délais étaient vraiment très courts. Quoi qu'il en soit, cette collaboration m'a apporté beaucoup et la vie est faite de défis. Et là derrière, il y a Neymar et Piqué qui sont en train de jouer au poker et qui sont filmés, c'est incroyable. Bon ben voilà, dernière soirée à Barcelone, j'ai fini un travail de 2 semaines, de 8 épisodes pour le youtubeur YoViral. C'était sacrément intense, je vous le cache pas, et oui si je parle du nez c'est parce que j'ai la crève. Merci Aïda, je te remercie, elle est juste à côté. Et clairement on est hyper fatigué, j'ai le ventre qui gargouille là, on va aller manger quelque chose. Alors on cherchait un endroit super pour manger des tapas, finalement on est arrivé, c'était la vraie cantine, c'était super bruyant, il y avait 20 minutes d'attente, il y avait du monde partout, c'était ultra serré et on est parti sur autre chose et en fait il y a ça. Et c'est juste trop trop beau avec des smoothies et c'est trop trop bon. Et j'ai hâte de rentrer quand même demain parce que 2 semaines du coup c'était un peu long, mon chéri m'a manqué, mes chats m'ont manqué. Et d'ailleurs j'ai plein de petites surprises pour mon chéri. Je lui ai acheté mais genre trop de choses au store Poker Star. Et je lui ai quand même fait faire un autographe de Daniel Negreanu, soit le deuxième champion du monde de poker. Donc voilà, je pense que je vous ai raconté beaucoup de choses. Mais j'ai absolument pas eu le temps de vlogger. Quand je vous dis que j'ai pas eu le temps, c'est que bah, tous les soirs, ou plutôt tous les matins, hein, Aïda tu confirmes, je me suis couchée à 6h pour terminer les vidéos dans les délais. Mais c'était trop bien. Maintenant je vais me reposer et je vais vous fournir de belles vidéos dans les prochains jours.